Bonjour à tous, ici Skrillex et bienvenue dans ce 44e épisode de Let's Play sur Mario et les lapins crétins, Sparks of Hope. Alors, on va explorer, on a débloqué ici, c'est pas pour rien. On arrive de ce côté-ci, avec un marchand, ok. J'ai l'impression que je tourne un peu en rond, hein. Ce qui est tout à fait normal, je pense. Zone secrète de Terra Flora, sommet de l'arbre de l'éclosion, contenu disponible. Ok. Bon, gicleur, contenu disponible. Des espoirs de Sullivan. Eh bien, on va y aller, on verra bien. Encore un combat sur le... Oh, infortune! Au plus profond des profondeurs de l'angoisse, ma poitrine, je frappe. Je tonne et peste, mais reste impuissant. Mon train jusqu'à la station d'entretien, je ne peux déplacer. Hein? Un petit problème mécanique? Je peux aider. J'adore les trains. Vous êtes bien aimable, mon bon monsieur, mais aussi armé de vos pouvoirs futiles, mon train bien-aimé ne pourrait arpenter les rails infestés d'épines sauvages. Laissez-nous vous aider dans ce cas. Nous allons nous rendre à la source de chaque épine et les enlever une par une. C'est le moins que l'on puisse faire. Valeureux champion! Vous êtes d'un noble esprit et selon mon cœur. Je m'en vais faire chauffer les moteurs. Faites ascension de cette échelle pour ôter la première épine. D'accord, c'est pour monter. Ici, il y avait une échelle.
Bon, ça m'aura. Très bien. C'est ça. Voilà. Très bien. Donc. Deuxième épine, plus personne n'a respecté le transport public. La clé est là, mais la serrure est où? C'est pas le canon qui... Théorie non, mais... Sait-on jamais que maintenant ils aient changé les règles? La serrure. Ou alors elle est cachée. Elle est là en bas. Très bien. La gardienne Bettina fait la promotion de son style de vie moderne en exagérant grandement ses bienfaits et lui attribuant toutes sortes de succès. Comme par exemple le fait d'avoir remporté le championnat intergalactique de catch Clash du Cosmos grâce à son gel douche exfoliant au miel détox. Suivant. Donc je peux aller ici, mais je peux pas. Voilà, alors ici, qu'est-ce que ça nuit? Voilà, c'est ça. Voilà. Mais une épine, on sait qu'on pourrait y aller et tout porter. Et tout porter. Notre dos, d'accord. Ça a l'air de te tenir à cœur de porter des trucs sur ton dos, donc là. Une flaque de confusion ombre sur les rails. Si nous étions dans un vaisseau, nous pourrions voler par-dessus. Oui, oui, bien sûr. Hop, vaincre la flaque. Au secours, il y a une flaque de confusion qui menace le train. Alors, ici, niveau 25, très bien.
atteindre la zone. Comment je vais faire ça, moi? Ça me paraît un peu loin pour... Il y a des choses qui vont arriver entre deux, je parie. Ah oui, il faut activer les interrupteurs. 1, 2, 3. Vu qu'il y a de la bombe. Non. Vu qu'il y a de la bombe. Je vais reprendre Luigi et Lapin Peach. Bingo, c'est bien ça. Ok, alors, la panique, je vais te poser là. Mario, tu vas atterrir. Voilà. Hop. Okidoki. Yop. Ça, je le coupe pas. Si je fais ça, je le coupe pas. Si je lui rajoute une attaque enflammée. Mario qui s'est touché. Mario. Pas trop le choix. Tu l'élimines. Très bien. Non, non, mais il se rapproche. Let's go. C'était pas lui qu'il fallait, mais bon. Ok. Bon. Bien.
Là, on va appuyer sur le bouton. Ok. Mais il y a peut-être moyen. Yes. C'est dommage que je suis tout seul, mais enfin, c'est que pour Mario tout seul plutôt. C'est quand même vache. Ok, la bâche à terre. Oh purée. Très mal. Déjà là. Voilà. Ensuite. Hihi. Yo. All right.
c'est pas assez. Okidoki. Allez, dégage. Oh, je suis pas purée. Let's go! Trop loin, Luigi. Ce que je vais faire, c'est envoyer Mario plus devant. Voilà,
faudra accélérer. Ok. Allez Mario, c'est bon, on y est. On réussit. Oh là 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 là. Ben c'était du juste, hein. J'ai bien fait de pas dire ok, on abandonne et on recommence lorsque la papiche est mort, mais pas mort, chaos. Voilà. Gratitude infinie, merci pour votre bonté, mes amis. C'est grâce à votre esprit conquérant que mon train retrouvera son grand train d'antan. Merci aussi d'avoir nettoyé les rails, ça a toujours été mon rêve de rouler sur un chemin de fer. Le train étant ce qu'il est, peut-être que je peux faire un bout de chemin avec vous, mes amis. Adieu à tous! Adieu à tous dans ce cas, et si jamais votre soif de transport devient trop grande, le Wiggler Express sera l'étanché. Très bien. Hop. Un peu ici, voilà. En fait, on est devant l'entrée du. Ok. Si je vais comme ça dans le canon, on va voir où ça mène, hein. Juste en bas. D'accord. Alors, il y a encore des choses dans les... qu'est-ce qu'on a encore ici? Invitation de Terrafloracine et Victor. Ah oui, des défis des poissons. J'ai pas réussi... Je sais pas. Là, c'est dans l'arbre. Et dans l'arbre, j'ai quand même encore quelques... Des tuyaux. Il y a un marchand. Un vainqueur à la flaque de confusion ombre. Ah, vous savez quoi? On va changer de... prochain épisode. On va revenir à l'entrée. Hein? Oh. Que je vois le vaisseau, il est de l'autre côté normalement, il est par là. Mais non. Non. De ce côté-là. J'ai plus. On est tout près de ce que je vois. De ce que je vois, on devrait être tout près, mais je vois pas où. Peut-être prendre le canon quand même. Un peu bizarre. Et là-bas le vaisseau. Ok, je l'ai vu. Le Tefal. Pour aller là-bas, par là.
toute façon, on va devoir revenir, hein, donc c'est pas très grave si on ne fait pas tout maintenant. Ok, bon bah on va s'arrêter là pour cet épisode et on continuera dans le suivant. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et portez-vous bien, bye.